ça me fait penser à une blague qui est arrivée au début de l'inspiration. Il y a deux Allemands qui se retrouvent à Paris. Vous savez, comme ils n'étaient pas en odeur de sainteté à ce moment-là à Paris, ils veulent se faire passer pour des Anglais. Alors, il y en a un qui commande « Two martini, please ». Et le garçon dit « Martini dry ?»« Nein, zwei !» Eh bien, comme nous sommes au bar, restons-y. Voici à présent « Au bar du coin » par René-Jean Michel. Au bar du coin, à 4h du matin, la nuit que nous nous sommes connus. Tes yeux, ta bouche et ton sourire câlin enivraient mon cœur éperdu. Le ciel, mes mains ont quitté le destin, effleurant ta peau de satin. Dès que l'amour a trouvé le chemin, ce fut le plus beau des toujours bien trop court d'amour, merveilleux instant du lever du jour, la lune fuit, le soleil lui, fait-on la fin de la nuit, d'un beau dimanche de juin, doux parfum du foin, senteur de café, arôme du matin, bouquet de fleurs. Savourons ce grand bonheur. Au bar du coin, nous nous sommes adorés, caresses, corps et merveilles. Tes yeux, ta bouche et ton sourire câlin, léchés par le soleil de juin. Le ciel, mes mains, ont guidé le destin, effleurant ta peau de satin. Dès que l'amour a trouvé le chemin, ce fut le plus beau des matins. Dès que l'amour a trouvé le chemin, ce fut le plus beau des C'est pas possible, non, franchement. Écoutez, qu'est-ce que je peux faire avec un monsieur comme ça qui me regarde en tout cas un amoureux de peine et... Non, mais c'est... Oh, non, écoutez. Yeah.
c'était pour faire une transition, pour une transition fruitée, pour vous présenter le temps des cerises que va vous distiller Gianlofred. Voici par Gianlofred, le temps des cerises. Thank you.
Thank you.
s'il n'avise même qu'une raouette, on craque, dit-on, à chaque pays qu'on le dit. Si ce petit mot-là, c'est fini. C'est déjà quand j'ai dit au jour, si nous pleurions, qu'il nous avait une pente, nous sommes notre pas le diable. Nous pleurions. Que nous voulons, est-ce que c'est fini, hein? Plus tard, est-ce qu'on. Yes, c'est ce que vous avez. Vous avez bien voulu exister. Et puis, notre professeur a dit qu'il y avait vous autres là. Est-ce qu'on dit fini? Vous faites de prendre un jour une feuille qu'il aime, il y a l'ordi. Vous faites le méchant. Vous faites. Eh bien, d'une belle année, je lui dis, d'une vous plus rentrée, c'est. Voilà, lui, il dit. Ah oui? C'est une crapotage, gosse. Hein? Il revient comme une gorette sans se crosse. Que pourquoi d'en faire là, oui, hein? On est grognon un peu. Hein? Est-ce qu'il s'est fini, hein? Lucie qui raconte dans la hausse d'histoire de l'année, Lucie qui a hausse, lui qui fait petit. Il va être comme qui va te faliquer nos mains, l'autre là. Nastin est confiné. Moralité, eh bien, pour deuxième portée, c'est fini. Thank you.
fou. Mais enfin, monsieur, est-ce que vous voulez bien dire... Ah, bon, quand même, s'il vous plaît. Non, 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 non. Je vous dis que l'extrait suivant a été écrit par Sartori. Je ne suis pas certaine que vous allez situer directement le titre de cette chanson. Si je vous dis que ça a été primé au Festival de Sanremo en 1995, ça va peut-être aiguiller vos recherches. Si je vous dis que cet air a été rendu très célèbre par Andrea Bocelli, je suis sûre maintenant que vous avez le titre de la chanson suivante, c'est Conte Partiro, et c'est Daniel Ourvex qui vous le présente. Quando solo sogno l'orizzonte, mancano le parole.
quando mai che il sole, se non ci sei tu con me, con me. Su le finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada con te. Partirò paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li vivrò, quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole. Figurez-vous que
René Jean-Michel, il va vous parler d'un autre amour. Il va vous raconter un amour comme le nôtre. Pourquoi lis-tu tant de romans, Pierre Benoît ou Paul Morand? Penses-tu trouver dans le livre de quoi rêver des nuits, des jours, quand le plus beau roman d'amour, nous sommes en train de le vivre? N'avons-nous pas assez lutté pour vivre ensemble et nous aimer? Ne me dis rien, recule-toi, car tu sais aussi bien que moi. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. À mon regard, tu vois tout ce que je désire. Pourquoi demander aux autres un amour comme le nôtre? Il n'en existe pas deux. Je sais les romans, c'est certain, t'emmènent dans des pays lointains, vers des ciels bleus, des clairs rivages. Que trouve-t-on? Des rues, des taxis, des maisons. Chérie, méfie-toi des mirages. Viens, regarde notre intérieur, des livres, des chansons, des fleurs. Dis mes deux bras pour te bercer et mon cœur pour toujours t'aimer. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. On n'est pas toujours content de son prénom, de son nom de famille, de la couleur de ses cheveux. Eh bien, moi, maintenant, ça ne m'aurait pas déplu de me prénommer Marie. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que j'aurais pu écouter Fernand me dire à l'oreille, « Vinnie Marie. » Vinnie Marie, qui eut bêté, voyez féroce qui nous tentait avant.
Du cœur.
entend les chœurs de l'armée rouge, on entend des voix, on entend... Mais nous ne les avons pas. Eh bien alors, c'est vous qui allez lui servir de chorale? Je pense que vous allez pouvoir l'aider. Notre ami Fernand Tillemant. Oh, goodness.
la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Mexico.
plus sérieux, celui de l'opéra, eh bien c'est notre ami Ferrand Tillemont qui va nous expliquer, en prenant l'apparence de Valentin dans Faust de Gounod, il va nous expliquer ce qu'il va faire avant de quitter ces lieux. Ferrand Tillemont.
remercier notre présentatrice fantaisiste, Nicole. Thank you.